les nouvelles. Et tout de suite, nous accueillons une artiste pas comme les autres et sa manageuse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous pouvez vous adresser directement à elle si jamais elle parle, hein. Faut pas avoir peur. D'accord, alors passons directement la parole à la vache. Bonsoir. Je m'excuse, c'est la première fois que je reçois une vache sur un plateau. Je savais pas que vous parliez. Alors, sans mauvais jeu de mots, c'est vachement osé quand même de se présenter comme ça en public. C'est quoi l'idée derrière ce déguisement là? Parce que... on va pas se le cacher, c'est quand même vachement space, hein. Alors, premièrement, je m'appelle Daniel, je suis un taureau, pas une vache, d'accord. Et puis je suis signe astrologique taureau aussi, hein. D'ailleurs c'est mon anniversaire bientôt, si vous voulez me faire un cadeau. Et puis si j'ai cet accoutrement sur moi, c'est simplement que je veux faire passer un message, parce que je suis vegan, moi j'aime pas du tout ce qui est viande et tutti quanti. Tous les gens qui bouffent la viande, là, ça joue pas, hein. Moi c'est légumineuse et puis c'est tout, de l'herbe, du foin, et puis ça s'arrête là, faut pas déconner. D'accord, Daniel, faut juste rappeler quand même, tu fais de la musique, t'es là pour promouvoir ta nouvelle chanson, donc explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ces paroles, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message là-dedans? Bah, simplement dire aux gens d'arrêter de bouffer de la bidoche et puis de s'orienter plutôt vers les légumes. Il y a rien de compliqué à comprendre pourtant, bien. Pomme de terre. Eh ben, c'est joli cette chanson, ça monte, hein. Et puis vous ouais. En avez pondu d'autres, des titres, mais bon, entre nous, vous êtes encore loin du disque de platine. Je sais, ouais. Voilà, merci à toutes les deux. Tout de suite, météo, il va faire un temps à en décorner les bœufs. T'as compris la blague ou bien? Ouais, j'ai compris, c'est bon.